le président de la République qui a le mieux partagé dans ce pays. À tous les postes, à commencer par les premiers ministres. Vous retrouverez par exemple Premier ministre Diarra Traoré, Haute-Guinée, Lansana Kouyaté, Haute-Guinée, Fall, Haute-Guinée, ça fait Lamine Sidimé, Haute-Guinée, et qui est resté 8 ans Premier ministre. Conte l'a fait. Il a fait le Fouta, deux premiers ministres, Seydou Dalein Diallo, Fouta, et Ahmed Tidiane Souaré, Fouta. Il a fait la forêt, même si Eugène n'a pas mis du temps, mais il a quand même nommé Eugène Premier ministre. Sans compter que René Fassouloua, qui était ministre secrétaire général à la présidence, était plus qu'un Premier ministre. Conte l'a fait. Alors qu'ici, en Basse-Guinée, il n'a jamais nommé un sous-premier ministre. Sidi a été un Diakanké. Il a valorisé les minorités ethniques parce qu'il a nommé un Konyadi comme ministre de la Jeunesse et des Sports, ensuite comme ministre de la Défense nationale. Un Konyadi, Doran Kassifat Diasseni, il l'a fait. Il a nommé un Diakanké ministre de la Sécurité, Eladji Premassori Diaby. Il a tenu compte de tout, il a tout partagé. Tout. Vous retrouverez les postes, par exemple, le ministre des Finances et tout, les postes régaliens, où vous retrouvez un Bassirou Barry, ministre de la Justice, vous retrouvez un Lamine Bolivogui, un Soriba Kaba, un Madi Kamara et tout, ministre de l'Économie et des Finances. Il n'a jamais, même au niveau de sa garde à lui, sa garde, la garde présidentielle, c'était d'abord Jacob Kamano, ensuite vous avez même un Konyanké du nom de Mounye, du commandant Mounye Djonzo, sa garde à lui. Il n'a jamais privilégié son ethnie. La gendarmerie nationale, Abdraman Kaba a été chef d'état-major de la gendarmerie nationale. Vous retrouverez que l'état-major général des armées, le commandant Sanoussi Kondé, le colonel Sanoussi Kondé a été chef d'état-major des armées. Le général Arafan Kamara, qui est même un neveu du président Ahmed Seck Touré, a été chef d'état-major des armées. Il a tout partagé. Le ministère des Affaires étrangères, par exemple, il a nommé... Lamine Kamara a été ministre des Affaires étrangères. Mon professeur de littérature cubaine, Lamar Ba, a été ministre des Affaires étrangères. Et l'autre, Aziz Ba, ministre de la Coopération. Il a tout partagé jusqu'au bout, jusqu'au niveau des préfets, des gouverneurs et tout. Il n'a jamais tenu compte de son ethnie. Ça, c'est la vérité.